Malaise, malaise, malaise. Comment commencer un commentary quand on n'a pas l'habitude? Eh ben, je sais pas. Non, ça veut sans rire, ça ira. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous propose un gameplay assez spécial. Étant donné que, vous savez, il y a quelques jours, j'étais en train de jouer au FAMAS, là, et je suis en train de faire les camos avec. Alors, décidément, je veux dire, qu'est-ce qu'il a ce gars avec les camos? Voilà, vous avez vu, hop là, on se fout contre le mur, on aligne, hop là, trop facile, j'avais le flank parce que je spawn sur la ligne derrière moi. Et vous allez vous apercevoir que je suis très bigleux, parce que regardez, hop là, là, il y avait un ennemi devant moi, je l'avais pas vu. Bon, tant pis, de toute façon, ce qui compte, c'est de faire des kills en étant avec l'arme montée, là, je sais pas comment on dit, en français. Voilà, j'étais en train de chiller dans leur spawn. Là, vous voyez, là, je vais monter mon arme encore. Je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen avec ce flank là. Voilà, je l'ai louché l'autre. Mais il y a peut-être moyen avec ce flank de débloquer le FAMAS en or. Bon, j'ai dit, bon, bah vas-y, c'est parti. Alors, je cherche des endroits là où c'est que je pourrais foutre mon arme. J'avais des kills aussi à faire accroupi, donc parfois je vais peut-être m'accroupir là. Non, pas là. Mais... Bon, déjà 11 kills, voilà, je vous propose une nuke au FAMAS. Bon, là, à ce moment-là, je jouais pas encore la nuke. J'étais en train de chiller, quoi. Là, mon allié vient de se faire descendre, je cueille l'autre. Allez, vous voyez le FAMAS avec Stopping Power. Bah, ça devient quasiment la meilleure AR du jeu. Hein. Vous pouvez rivaliser avec n'importe quelle arme en face, vous gagnerez votre duel. Non, je déconne. Elle est toujours aussi pourrie en fait. Et j'ai vraiment joué pendant, je sais pas, j'ai joué pendant 3-4 jours, je crois, avec cette arme. Oui, au fait, j'ai oublié de dire sur la première vidéo, en fait, je fais que de la guerre terrestre. Étant un ancien joueur BF, Battlefield, je suis vraiment habitué au 32-32. Puis le 6v6, j'ai vraiment donné quand j'avais 16 ans à l'époque de Black Ops 1, Modern Warfare 2 et 3. Voilà, j'aime bien la Grande War, enfin, la guerre terrestre. Parce que c'est un peu le bordel, puis ça rappelle Battlefield, lui vraiment désinstalle le jeu parce que je sais pas comment il a fait pour me loucher. Qu'est-ce que je lui disais? Oui, là aussi. Vraiment beaucoup de chance et c'est pas fini, voilà. Là vraiment, j'avais de la chance. Là, j'étais combien? À 18 kills? Je me suis dit, bon, ben, je vais arrêter de jouer l'arme, de les défis d'armes là, pourri. Je vais à 20 kills, en général, aux alentours de 20. Bon, 20 max, hein, parce qu'il faut pas déconner. Je me dis, je vais jouer la nuke. Je me suis dit que, de toute façon, il vaudrait mieux que j'en drop une parce que le FAMAS, je ne compte plus jamais y toucher. Alors, c'est une merde. Alors, je vais m'expliquer. Il faut 3 balles à courte distance, voire moyenne distance selon votre build. Là, moi, j'utilise un build courte distance. Il faut 3 balles pour tuer un adversaire. Alors. Comme j'ai repris le jeu il n'y a pas longtemps, je sais même plus s'il y a du hitscan sur le jeu. Alors je crois que oui. Enfin, on voit les balles partir, mais je ne sais pas si elles touchent directement. Donc vous avez intérêt à foutre les 3 balles sur votre adversaire quand vous tombez sur lui. Sinon, c'est foutu. Alors parfois, il faudra même plusieurs. Là, vous voyez le nombre de rafales, bon, en même temps, il était loin. Si vous ne mettez pas 3 balles à votre adversaire, vous êtes mort. Tout simplement. C'est la particularité de ce FAMAS. Voilà, lui, il a pas voulu me rusher, j'ai pas voulu tenter. J'étais à combien là? Je suis plus 26, je crois. Donc voilà, le FAMAS, si vous vous retrouvez au corps à corps, vous êtes foutu, quoi. Sauf si vous êtes par exemple là derrière, vous allez même au tir au jugé si vous voulez. Un e-fire, il pue la merde, les balles se dispersent, mais pire qu'un fusil à pompe. Donc vous êtes obligé d'ADS en toutes circonstances. Peut-être que j'aurai quelques exemples à vous montrer là du hipfire totalement flingué. C'est une arme si vous voulez la tester, le FAMAS. Enfin, regardez. Bon, là, en même temps, quand vous mettez une balle sur trois, c'est normal, ça le tue pas. Mais parfois, je vous jure, j'aurai des clips à vous montrer. Vous touchez, enfin, vous entendez les trois bruits de hitmarker, le mec est à 20 mètres, le mec est toujours en vie. Et je veux dire, il sait pas, le mec c'est pas Steam. Enfin, Steam, c'est comment dire en français. Voilà, la seringue là, non, non. Vous pouvez mettre 3 balles, je crois que je suis à 29 là. Vous pouvez mettre 3 balles à un mec, il ne va pas mourir. Hop, voilà, j'ai voulu m'assurer le kill. J'ai pas voulu faire le crack ou crasse là. Dédicace à vous perdre d'ailleurs.
Parce que c'est lui qui dit ça, je sais pas si vous connaissez. Ouais, bon, là, j'ai fait de la merde, j'étais content d'avoir la nuke. C'était la fin de la game, j'ai voulu me dépêcher. Voilà, c'était une nuke au FAMAS, assez rapide. Je pense sincèrement que de toute façon, j'en referai plus jamais avec le FAMAS. Parce que c'est vraiment une arme. En fait, c'est faisable. Les bonnes parties avec, c'est faisable. Mais ça consiste en fait à jouer d'une manière assez discrète en flanquant et tout le bordel quoi. Ah, lui, je sais pas ce qu'il voulait faire, il voulait cuter mon allié. Enfin, vous pouvez la jouer cette arme, mais si vous voulez vous lancer un défi, bien entendu. Après, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'aiment. Mais comparé à la méta, par exemple, non. Enfin, elle ne rivalise avec aucune AR pour moi. Elle est trop faible. Si au moins elle avait une meilleure cadence de tir, c'est-à-dire tir en rafale, mais si seulement le délai entre les cadences serait réduit. Là, il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, toutes les armes sont des lasers dans ce jeu. Je vois pas non plus l'intérêt du FAMAS dans ce cas, quoi. Non, il faut flanquer son adversaire, le prendre par surprise par derrière, ou... sur les côtés, enfin voilà. Vous tombez au corps à corps contre un AR ou une mitraillette, mais à moins que le mec ait son écran éteint, c'est pas la peine d'espérer gagner le duel. Bon, je sais pas pourquoi cette arme n'a jamais été buffée. Je sais pas, en tout cas moi je comprends maintenant pourquoi je ne vois personne l'utiliser. Mais voilà, je me suis dit, vous proposer une nuke au FAMAS, ça va être assez original. Même si je viens d'y en avoir plein. Mais voilà, je l'ai fait un petit peu en rushant, et voilà. Bon. Et bien c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.